normalement c'est pas là. On va enlever le x4 quand même parce que c'est assez dangereux. Parce qu'on est en train de tenter. Alors, il devrait y avoir une espèce de flanc. Relativement agressif dans les environs. Pas de trésor par contre. Hein. C'est juste les égouts hostiles, les égouts dangereux. Sûrement dans le petit carré d'eau, hein, histoire qu'on ait la place pour se battre. Si on peut faire des morbes avant, histoire d'éviter de tout se prendre en même temps, ce sera très bien. Ok, à mon avis, on va le rencontrer ici, bien sûr. Alors, la mousse blanche. Voilà, si on flash. On fait du dégât. Il y a la cécité qui est balancée, mais on a la vision. Ok, il fait mal, mais pas trop pour le moment. Pas de la lenteur, on a des objets pour ça. C'est juste qu'il nous prend... Il nous enlève un petit peu de DPS le temps qu'on utilise les objets et tout ça. Ça, c'est un petit peu problématique. Le soin d'eau qui part. Ok, on s'en sort. On s'en sort, c'est bien, c'est bien. Lenteur, ok, pas de soucis. C'est Van qui gère, du coup on peut continuer de soigner avec Fran. Le sommeil, c'est Van qui gère aussi. Juste qu'il n'y ait pas sommeil sur Van, du tout. Ok, 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 ok. Il s'est excité sur la fin, hein, mais c'est passé. Une clé cassée. Ah oui, c'est la clé pour le mug. C'est un mug qui nous avait filé ce contrat, qui nous avait dit qu'il avait perdu une clé. Et également à son dessert, hein. C'était terrible. Il en a parlé avec beaucoup de passion, bien sûr. Également son dessert, malheureusement, et ma foi, bah écoutez, il a dit le dessert, il est prêt à faire une croix dessus quand même, hein. C'était un mug plein de bonne volonté. Mais par contre, il lui fallait la clé, parce que c'était quelqu'un qui lui avait donné, il était censé en faire quelque chose, je ne sais plus quoi. Et au lieu de ça, il a voulu braguer avec, hein, et puis il l'a perdu. Alors ici, on arrive comme ça. Là, on arrive là. Là, on fait le tour comme ça, c'est énorme. Et on arrive ici. Ok, c'est cool. Bon, on a réussi à le faire, on a le niveau, clairement, hein. Je veux dire, c'est pas un combat non plus simple. C'est-à-dire que... Enfin, c'est un combat qu'on peut x4. Donc c'est un combat dans la tranche facile des choses, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas un combat de données non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu du dégât. Quand il était en position de danger, en état de danger, il a quand même bien accéléré les dégâts qu'il a balancés. Sa rapidité pour faire des sorts. Et ça, ma foi, bon, ça fait peur. Voilà. C'est la terreur la plus complète. Mais il n'empêche que, bon, c'était du x4. Il n'y avait pas de management supérieur à avoir, supplémentaire devrais-je dire plutôt, que celui qu'on a déjà en automatique avec nos gambits, donc ça va. Le tout sans utiliser le mist. Je crois que notre petit mug est celui de l'aéroport. Du coup, ce n'est pas du tout ici, je suis un bâtard. Desert West. J'ai dit Desert West. Porte West, aérogare, merci mec. Il me semble que c'était celui qui était là-bas. Je crois que c'était lui, là. Ah, vous avez vaincu ce cauchemar gélatineux, Coupeau. Alors, ça veut dire que vous avez la clé? Oh, merci beaucoup. Vous avez sauvé mon honneur de Mog. Maintenant, il faut que je demande à mon frère de la réparer. Je reviens tout de suite, Coupeau. Ma récompense, petit bâtard. 2800 gil et un arc flamboyant. Ah, désolé de vous avoir fait attendre, Coupeau. Mon frère a réparé la clé, mais entre-temps, j'ai reçu un message de Dalan. Il a trouvé une autre clé qui fonctionnait, alors il n'a plus besoin de celle-ci. Je suis vraiment confus de vous avoir fait perdre tout ce temps, Coupeau. Du coup, j'aimerais vous la donner, c'est le moins que je puisse faire pour vous remercier, après tout ce que vous avez enduré pour la récupérer, Coupeau. Ah, la fameuse clé des écluses. Excellent. Excellent, nous avons la clé des écluses.
sais pas encore à quoi elle sert. Mais il y a un des boutons qu'on peut utiliser visiblement. Qui est en orange. Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous en orange? Je ne sais pas. Ce contrat est fait en tout cas. Ça c'est beau. C'est le principal. Le jus de serpent. Contrat accepté. C'est dans les grottes de Zertina. Près d'un accès au désert ouest de Dalmasca. Il faudrait une bonne dose de patience pour le dénicher. Désert ouest? Parce que là, il parle de la mer de sable d'Ogirienza. Hein. Oh, attendez, on va sauvegarder. Désert ouest. Bon, du coup, ça valait le coup. Hein. On a fait ce petit contrat tranquillement. Alors, est-ce qu'à partir du désert ouest, qui est là où je suis, hein, globalement, est-ce que j'ai accès, du coup, à ces fameuses grottes? Oula, c'est la tempête de sable dans le désert ouest. Mer de sable d'Ogirienza. C'est un désert que j'ai pas beaucoup fouillé, le désert ouest, en vrai. Hein. Peut-être pas perdre plus de temps que ça avec ces histoires. Ouais, j'étais venu ici pour le gros dragon là avec un anneau. C'était assez terrible d'ailleurs. Mais d'ailleurs les grottes maintenant de ah, cactus roi, j'avais un truc à faire ici. Il y a rien de particulier au pied de ce cactus, comment ça? Il y a un truc près des cactus rois, je me souviens. Il y avait une histoire de fragments, je sais plus quoi. Rien de particulier au pied de ce cactus non plus. Oui, je me disais avant les grottes me faisaient peur, mais maintenant ça devrait aller. Hein. On va pouvoir les faire sans trop de problèmes. On va aller par là. On est sur du 11 pour le Hibours, bon c'est risible hein. Tout va bien. On est largement en surlevel. Ok, ici ça amène à un nouvel écran aussi. C'est un cactus roi ça, non? Non, visiblement on s'en fiche, ok. Laissez les tenir, ça faisait longtemps. La vache. Un aigle plongeur. Ah oui, c'est lui là. À un moment donné, il y a un aigle plongeur comme ça qui m'a fait tellement mal. Et maintenant, je le dégomme. C'est merveilleux. Une potion. Je disais, c'est pas la peine que je perde mon temps à faire les mobs et les trésors, mais au final... Oula. Par contre, l'élémentaire, à mon avis, j'ai pas encore le niveau, hein, clairement. Donc on va gentiment se calmer. On va passer par là. Ouais, ouais, ouais. Ok, là ça ramène vers la mer de sable. Maintenant on me parle d'un accès à partir du désert ouest. Du coup, bon. J'ai mal lu, hein. C'est possible aussi. Je me dis, il y a peut-être un accès aux grottes à partir d'ici. Dans le cas, il va falloir fouiner et faire un petit peu attention. Oh, avec la tempête de sable, ça donne une ambiance aussi, hein. Mine de rien. Ok, c'est pas mal. On n'y voit pas à 3 mètres. Plaine de Giza. Plaine de Giza, il pleut sa race. Alors attendez, on va peut-être changer de plan. C'était pas dans les plaines de Giza que j'avais un truc à choper là?
fais plusieurs choses en même temps, ce que j'essaie de ne jamais faire, mais... Il était question, à un moment donné... La saison des pluies. Voilà, ici. Je vais regarder s'il pleut assez, là. Parce qu'il pleuvait la dernière fois, mais... peut-être pas assez. Là, il a l'air de pleuvoir quand même pas mal. Ah, on est sur une pluie de type présente. Donc on va vérifier. Parce que j'avais vu un pont de bois qui était en train de se faire grâce au courant. Mais qui n'était pas complètement fait. Mais il pleut plus. Voilà. Ah là, ici. Mais il pleut plus du tout, en vérité. Bon, bah tant pis. Je repasserai un autre jour. Ah, il pleut. Il pleut pas partout. Je les déteste. Il pleut pas partout. Bon, on reviendra après. Peut-être que il pleuvra plus du tout. Et peut-être qu'il pleuvra... Là où ça m'intéresse. Ce sera qui tout double. Bon, ici c'est toujours la tempête, hein. Les plaines de Giza, tout ça, c'est énorme. Là, ici, voilà. On ratisse, hein. J'ai l'impression de lever des radis. Ah, t'arrives, un petit coup. Ah, par contre, attention aux élémentaires, hein. Ça rigole moyennement. Élémentaires, on rappelle qu'ils nous atomisent la tête, hein, globalement. Ah, oh, Nani déçu. Serait-ce... Oh oui. Ouais, je pense qu'on est au bon endroit. Attention, on est à nouveau sur un contrat de rang 5. On a du slime ici complètement dégueulasse, hein, qu'on one-shot très probablement. Mais attention néanmoins aux monstres qui nous intéressent. De type... Serpent. Un Pokémon robuste et puissant. Est-ce qu'il y a un trésor par là? Non, mais il y a du sable qui coule. Et une cascade. Un trésor ici, par contre. Trois giles. Je me sens enrichi, mais avant tout de manière spirituelle. Ok, ça passe. Alors, il est où précisément, ce Jean-Claude? Liste de contrats. Ici. Il est juste à côté, ne faites pas de bruit. On va faire le petit trajet comme ça, là. Ok, très bien. Récupérer la queue de phénix, c'est très important pour le combat qui va suivre. Idem pour les 238 giles, vous comprendrez bien assez vite. Attention parce que c'est par là. C'est par là, il y a un piège. Okay, il est censé se cacher dans cet endroit. On m'a prévu qu'il serait difficile à trouver. Qu'il allait falloir de la patience, même. Je suis pas fou, hein. Il est censé être... Il est censé être par là. Hein. C'est lequel? C'est le 9. Il est exactement à l'endroit où je suis. Par contre, attention. Pardon. Alors, le monstre se trouve dans les grottes de Zertina, près d'un accès au désert ouest d'Almasca. Il faudra une bonne dose de patience pour le dénicher. Moi, je vous propose que la patience, on la fasse x4. Ah, bah il est là, voilà, énorme. Oh, il est gigantesque par contre. Oh la vache, enchanté. Le Marilite. C'est parti. Un relic qui fait mal, hein, visiblement. On est sur du dégât. On est sur du dégât. Immunité. Immunité à quelque chose, hein. Immunité aux dégâts physiques, ou comment ça se passe? Attendez. Il y a quelqu'un qui arrive à lui faire mal, là. Mais d'accord, j'ai pas d'éléments. Ah! J'ai un élément de glace ici, il est peut-être immunisé à la glace. On va prendre l'albarde un petit peu moins efficace, mais sans élément. Je ne vois rien, c'est très chiant.
C'est embêtant, hein, cette caméra. Mais je pense que je lui fais des dégâts, là. Attendez, je vais essayer de bouger parce que je ne vois rien. Oui, oui, on fait des dégâts, c'est bon. C'était la glace, il y avait une immunité du côté de la glace. Heureusement, on a Van qui a aussi une très bonne épée, hein, qui fait 2200 de dégâts. Crâne qui fait un petit peu moins mal, mais qui peut faire du poison potentiellement. Et surtout qui fait plusieurs coups, hein, de temps en temps. En plus de soigner, bien sûr. Ah, il réduit ses, les dégâts qu'il prend lorsqu'il est en position de danger. Ouais, mais par contre, il s'arrête plus, là. Vous arrêtez, monsieur. On a Fran qui soigne, hein, y a pas de souci. Oh là, oh là, oh la combinaison! Oh là là! 5 coups, là. S'ambiance, hein. S'ambiance, les gars. On va peut-être lui faire une petite dose de magie noire, genre du feu. Ah, ça l'a soigné. Je suis navré. Donc, immunisé contre la glace, soigné par le feu. Mais le mec, faut s'arrêter, monsieur. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ok, quand il est en danger, par contre, c'est compliqué. Faut peut-être que j'utilise plutôt du mist sur la fin. On a la fiole d'essence de serpent. En tout cas, le maralit est fait. Dangereux. Le rang 5, c'est mon rang, je pense. Genre, on arrive quand même à le faire. Mais c'est vrai qu'en état de danger, il y a des petits modifiers particulièrement méchants. Oh oui, là, je peux regarder rapidement si ça... Si ça connecte avec le reste. Ah non, c'est une autre grotte, d'ailleurs. Ah si, ça connecte ici. Ça connecte par là. Dans un monde rempli de buers, niveau 38. Voilà, là par contre, il y a un trou noir. Globalement. Et par ici, je ne sais pas ce qui se cache. Je fais quelque chose que je ne devrais peut-être pas faire, en effet. Ah non. Bon, de toute façon, ici, c'est... Oh, un rocher. Je peux pousser le rocher, peut-être. Extraordinaire. J'ai aucune idée de ce que je viens de faire, mais... Ah, d'accord. J'ai stabilisé une plateforme. Des sables mouvants. Je ne meurs pas en allant dessus, en tout cas. Sympathique. Toujours des buveurs, hein, j'espère. Ouais, toujours des buveurs niveau 37. Toujours des gens qui sont prenables. Là, ça remonte ici. Je ferais mieux de me casser, bien entendu. L'appel de la découverte. Il est si fort. L'envie d'apprendre. L'envie d'avoir envie. Et la célérité qui est passée du côté de l'adversaire. Très bien. Bien, il y a de l'XP, qui est présent. Oh là là, mais où est-ce que je m'engouffre encore? Ah, nous avons ici un cristal de sauvegarde. Je propose que nous l'utilisions, au cas où. Je n'ai pas envie de devoir refaire ce contrat. La beauté de l'exploration, tout ça pour la carte. Hein. Terrible. Alors que je devrais juste rentrer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache par ici? Pas du tout. Oh, un chemin. Un chemin caché. Un chemin qui n'est pas présent sur la carte. Ah, par ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Où me situe-je? On est sur de la grenade niveau 35. Ça reste encore de notre niveau. Mais attention. Attention, ça peut être très dangereux. Ça peut exploser à tout moment. Ça esquive. Ça esquive ici. Ok, ok. Il y en a une qui est tombée. Ok, une deuxième. Bon, ça a l'air d'être... Ça a l'air de bien se passer. Voilà, on va pas se mentir.